Bonjour à tous les amis. Et au final, du coup, on est là. On est là pour vous présenter un peu les coulisses. Comment il a été fait, de quoi on est parti. Exactement. Des petites anecdotes inédites. L'histoire, voilà. En gros. C'est une vidéo making of en fait. Mais déjà, premièrement, d'où vient Sable Mouvant? Faut savoir quelque chose, c'est que Sable Mouvant devait s'appeler Sable. Parce que la chanson a été complètement revisitée, hein, oui. On va vous faire écouter un extrait. Donc pour le clip, on a réalisé un partenariat avec la pépinière Gréo, qui nous a fourni des plantes de qualité. Également en partenariat avec la ville des Herbiers, qui nous a permis d'utiliser l'atelier 1920. Ouais. Et enfin, l'Art du Mouvement, qui est un groupe de danseurs. Pour ce clip, on a voulu faire dans l'original. C'est pour ça qu'on a fait un plan séquence. Donc pour le plan séquence, il a fallu dessiner tout un trajet avec les mouvements des accessoiristes, les mouvements des acteurs, les mouvements caméra et tout et tout. Donc ça a été tâche complexe. Oui. Ouais, ça a demandé beaucoup de préparation, tout ça, une grosse équipe technique. Ouais. Et voilà, du coup on va faire intervenir d'autres personnes parce qu'on parle un peu trop. Ils vont apporter un nouveau point de vue. Surprise, est-ce que c'est un garçon ou une femme? Je sais pas. C'était hyper intéressant de pouvoir travailler avec vous en tant qu'accessoiriste, notamment parce que pour moi c'était la première fois que je faisais quelque chose du genre. On avait la pression de louper des choses, par exemple si on se faisait voir dans le champ alors qu'on n'était pas censé être là. Donc ça a été hyper intéressant à ce moment-là. Puis voilà. Moi c'était une première pour moi aussi. Très heureux, c'était hyper cool, hyper sympa. Personnellement je suis arrivé dès le début, donc j'ai aidé aussi à installer les décors. À installer la scène. On a été très efficace, je pensais pas qu'on irait si vite. Ouais, c'était un peu chaud quand même, c'était assez court, 30 secondes pour retourner plusieurs instruments sans faire de bêtises. Mais ouais, ça s'est très bien passé, puis franchement, très content. Oui, alors donc pour moi, ça a été une expérience unique. Et le morceau, je l'adorais, j'ai écouté pas mal de fois. Par contre, j'avais la pression énorme parce que là, être seul caméra, en plus un plan séquence de 3 minutes et quelques, j'ai trouvé que c'était professionnel. J'étais vraiment surpris parce que, c'est une équipe de jeunes, mais il y avait un leader. Les gens le reconnaissaient et c'était bien organisé. Je vous dirais qu'à 1h de l'après-midi, j'étais complètement lessivé. Expérience extraordinaire, très très bonne. Voilà. Le jus d'orange était très très bon. Et voilà, j'ai rien de plus à rajouter. Merci. Non, en plus, c'était un gros pari de faire un plan de séquence, donc chouette. C'est une bonne collaboration. Parce que la matinée s'est quand même bien déroulée, ça a quand même taffé. C'est plutôt une ambiance saine et productive, donc c'est plutôt cool. C'était une bonne fatigue, parce que ça fait du bien de travailler, surtout après le confinement. Donc je disais merci Blastoff. Voilà, affaire à suivre, à découvrir le clip. C'était une super bonne expérience, c'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours et franchement on a adoré. Après il y avait une super bonne ambiance avec l'équipe, on a très bien été accueillis et on nous a mis à l'aise dès le début. On a beaucoup bougé. Oui, on a beaucoup bougé. On était essoufflés mais c'était cool. Alors du coup, là, c'est la fin du clip. J'espère que vous avez aimé. C'était très dur à tourner. Un plan séquence de malade. Moi, j'ai beaucoup kiffé, en tout cas.
Oh, ça continue de filmer. 11 minutes.